Donc nous revoici pour la suite de cette vidéo. Vous pouvez parler, chef. Et nous allons continuer à utiliser notre pétard mouillé. Nous sommes prêts à avancer, les gars. On dégage de là. Bon. Mettons-nous au travail, les gars. Oui, chef. Plus sérieusement, je vais dire tout. Ici le PC de soutien. Bien, on se prépare à bouger le PC de soutien en campagne. Allez, je vais déjà préparer le déplacement de mes troupes pour la suite. On est prêt à mettre les gaz, chef. Quels sont les ordres? Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Bordel, ils sont dans les ruines. Ici, le conseillons tout de suite, chef. Cromwell, en haute. Le Cromwell est attaqué. Sortez vos armes et rentrez. On déplace le Cromwell. Oui, chef, on bouge. Transmetteur réuni. Informez le bataillon. Ici, le Cromwell. On se retranche. Allez. Transmettez votre message. Détruisez la cible avec le Spivax. Ça va être limite. Non. Oh, j'ai une cible allemande avec le Spivax. Préparez le canon principal, acte avec le Spivax. On est attaqué. Les Allemands sont nos frères. Dégagez la culasse. Feu. Quel est le plan, chef? Et notre avenir. Allez, on va vous aider. Et merde, je peux pas. Bon. Faut que j'évite d'en perdre plus par contre là. Oui, chef, on est sur les armes. On avance sur les boches. Et ces camions-là, je vais déjà les repositionner ici. Vous combattez et vous mourrez. Mais c'est ce qui est en campagne, on est pas mal pris pour cible. Vous comprendrez plus tard pourquoi je les repositionne là-bas. Oui, chef. Et plus précisément dans la mission numéro 2. Ça, tu peux que je ne pas. Ici le Cromwell. On est dans une zone dangereuse. Voilà. Un point de contact indique qu'un Alphatrak allemand a été détruit. Préparez le canon principal. C'était un super puissant. Il faut savoir qu'en expert, vous avez 3 camions, c'est trop. Je crois que vous êtes limité à 2 camions qui puissent s'échapper, le troisième c'est échec de mission de mémoire. Parce que ça fait un moment que j'ai pas remis en expert sur cette mission là. Donc faites attention à ce gars. Ça, on va le récupérer aussi. J'aurais plus de ressources normalement pour son déplacement, mais c'est pas grave. Vu les réserves que j'ai. On est attaqué. Unité détruite. C'est pas un problème. Bah non. Il y a toujours des ressources. M'attendez pas. Char au rapport. Bon, on va déjà commencer déjà à faire la défense. Ici. Ça ne va pas se construire tout seul, les gars. Mettons-nous au travail, les gars. Bordel, on va faire descendre ici. Ils s'enrichissent. Nous faut une position défensive niveau 4 jusque là, les gars. Les officiers signalent la destruction d'une cible allemande. Voilà. J'ai éliminé le. C'est ça qui faisait la propagande, l'officier, voilà, je cherchais son nom. Voilà, j'ai réussi à l'éliminer, donc il s'est tué. Il me faut tous les blindés. Allez-y, parlez. Camion commandement en déplacement. Installez le QG d'Ala ici, et que ça saute. Allez-y, on lunaire, on sort de là. Mettons-nous à travailler un peu, les gars. Voilà, voilà. Allez, mettez-y du vôtre, les gars. On y va quand vous voulez. Ouais, on veut qu'on nettoie cette zone. Allons-y. On va aller marcher un peu, les gars. La question que je me pose, en fait, c'est... Un volontaire pour montrer le chemin, je m'en doutais. À vos ordres. Bon, ça va gêner des personnes que je fasse ça, mais bon, j'ai besoin de savoir. J'ai récupéré le AVRE, je vais envoyer ici, je vais tenter de faire sauter les armes. Oui, chef.
En fait, là, je m'excuse de devoir faire ça, mais c'est indispensable pour la mission suivante. Je vais entrer. Unité prête à l'action. Unité de combat prête. C'est indispensable que vous soyez. Mettez-vous à couvert, les gars. Écoutez, on va dire prêt. Ordonnez, on obéira. Les hommes sont prêts. On entre, chef. Recevoir les troupes ennemies. Allez-y. Bien. Je me rends là-bas tout de suite. Bien. Réparez-moi le. Normalement, vous aurez du temps, mais je préfère. J'ai toujours fait comme ça en fait. Donc, je pense qu'en difficile, ça se justifie le fait que je fasse ça. Difficile ou expert. Mais. Repli à VRE là. Non. Je peux pas me permettre ce problème. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je pense pas que je puisse vraiment me permettre de le faire. Transmetteur du char, réunis sur votre fréquence. Ici radio, je vous écoute. On avance. Soyez vigilants. Transmettez votre message. On y va, pilote. On a reçu un compte rendu de contact. Et il a mis la gueule. Par contre, j'ai peut-être. Cromwell, prêt à foncer. Ouais, allez, ça va. On met la gomme. On rejoint la position. On se met en route, chef. Cromwell à vos ordres. L'équipage en route. Merci. On déplace le Cromwell. On vous reçoit. Vous pouvez parler, chef. J'ai un recommandement, j'ai peut-être en conserver. Allez, les gars, mets la gomme. Quels sont les ordres? Char en déplacement. On peut y aller? Bon, je ferai des... là je fais des choses en fait, ça sert à rien que je fasse dans cette mission, je le ferai dans la mission suivante là. Je perds du temps pour rien, là, je m'en excuse. Je fais des choses totalement inutiles pour cette mission. Et c'était préparer mes défenses, ça non, ça c'est pas une erreur. C'est quand même une excellente idée. Le Cromwell est attaqué. Prépare le canon principal. À la bordel. Analyse le canon principal. On aligne la cible. Orientez la mitrailleuse coaxiale. Allez. J'attends vos ordres. Cromwell est prêt. Montre-nous ce que t'as dans le ventre. T'as le feu. Il avance. L'unité ennemie a été neutralisée. Voilà. Parce que de mémoire ils vont faire sauter, ils font sauter les deux. De mémoire ils font sauter les deux ponts de chaque côté. De ce côté là. J'ai évité d'envoyer des troupes vers le côté là quand même. C'est parti. On vous reçoit. Vous pouvez parler, chef. Oui, chef. Quels sont les ordres? En avant, pilote. Bon, petite explication de comment j'ai positionné. Vous vous mettez vos deux Churchill frontalement, vous pouvez même les mettre en position de défilement. Crocodile en face du pont. Et c'est bon. Voilà, c'est bon, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Oui. On progresse vers la cible. Préparez-vous, les gars. Bon, bien évidemment, essayer de les réparer, ça serait le mieux. Pilote. Mais bon. Oui, chef. Il y a une technique en fait, je vais vous la dire tout de suite, c'est de faire sauter le pont. Malheureusement, j'ai pas pu la faire sauter, donc la question que je me pose est-ce qu'il est vulnérable maintenant? C'est possible, hein, je sais qu'il y a parfois eu des mises à jour pourries sur le jeu. Je me dis cette mise à jour là me surprendrait pas. Ou tout simplement, je ne peux. Ou tout simplement, ils l'ont. Ce que je veux faire est bloqué à cause d'un script. C'est ce que je me dis. Et vous comprendrez très vite de quel script je veux parler. Bien, j'écoute. On progresse vers la cible. Même si je pense que vous êtes déjà douté, j'ai accumulé plein de troupes ici pour la simple et bonne raison que des renforts ennemis vont arriver. Pour nous repousser. Donc vous voyez, j'ai. J'ai quand même sacrément déjà préparé ma défense. La seule chose que je ne sais pas en fait, que je ne sais plus plutôt, c'est de 1 ma limite de population dans la mission suivante. Chef. Ça c'est déjà gênant. Informez le bataillon qu'on a sécurisé l'île. Avançons vers l'objectif suivant. Soyez très vigilants les gars.
Il y a des tireurs embusqués partout. Les Boches contre-attaque. Rassemblez vos troupes. Ouais. Interceptez-les. Les Fritz avancent cette ville. Il manque pour faire sauter ce pont. Voilà. Donc la technique, vous faites sauter le pont maintenant. On a tout eu. On dispose enfin de chars crocodiles. À votre service, je retourne au QG. Bon. Je peux refaire sauter le pont. Je vais pas mentir, je peux le faire sauter si je le souhaite. Mais pour des raisons, on va dire, de gameplay, je vais laisser quand même l'action se faire. Que la technique c'est simple, vous tirez deux coups de pétard dedans et c'est bon, vous faites sauter le pont. Et vu que les troupes ennemies n'arrivent que par là, j'ai vraiment rien à craindre. Non, j'ai même mis à trancher. Une mission est bien occupée. Soyez vigilants, les gars. Derrière cet abri. On a fini. Prêt à y aller. Parce que je fais sauter, ouais. Ça sert à rien de faire durer une mission juste pour le plaisir. Au bataillon de faire une pause. Veillez à ce qu'ils s'occupent de nos blessés. Et faites-moi la liste de ceux qui ont mérité une médaille. Quand est à nous. Donc voilà. Donc en fait, ils ont bloqué la destruction de ce pont pour autoriser l'évacuation des véhicules de ravitaillement. En fait. Mais pas pour ça. Tant mieux. Bientôt chez vous. Bon, et c'est là-dessus que se termine cette mission. Et c'est deuxième partie de la prise de camp. Nous avons réussi tous les objectifs. Bon, j'ai failli louper, détruire le camion de ravitaillement à deux près. L'objectif secondaire là, j'aurais échoué. Mais bon, pas grave. J'ai eu la médaille militaire pour avoir fait taire la propagande allemande. Bon, comme vous constatez, bon, de 1, les mines sont gênantes, mais dès que vous avez des unités de réparation, vous les réparez en permanence, vos chars qui sont endommagés, c'est bon. Prenez les points de votre côté de la rivière, puis après vous envoyez tous les crocodiles d'un coup. Heureusement, moi j'ai dû défendre ma base, mais vous avez vos crocodiles, vous lui demandez de tous attaquer d'un coup la base ennemie, l'endroit où il y a des points de ravitaillement. Comme ça, en attaque rapide, votre ave il s'occupe de détruire le canon ennemi. Les Churchills vont aider aussi à détruire, hein. Vos crocodiles, comme ça, vont détruire les canons de ravitaillement. Vous lui demandez à deux d'un ou deux, comme vous voulez, de protéger le pont, et les autres doivent détruire le dépôt de ravitaillement, et après c'est tranquille, hein. Ou mec, c'est pareil, vous envoyez 2-3 croix, après avoir repoussé l'attaque ennemie, vous les détruisez. Donc voilà comment faire. Je m'excuse ma piètre performance durant cette mission aussi, j'ai pas été le meilleur des meilleurs, donc voilà, je m'en excuse encore une fois. En tout cas, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura tout de même plu, vous avez passé un agréable moment à mon compagnie. Quoi qu'il en soit, je vous dis à la prochaine fois, et encore merci de toujours me suivre. Allez, à ciao tout le monde.